Vous avez peut-être entendu parler de moi, ou plutôt, vous avez sûrement entendu parler de moi. Surtout maintenant que vous êtes ici. Devant vous s'étendent les îles que vous devez gérer, si vous le pouvez. Les 5 morts. Bon sang, si seulement. Si seulement il n'y en avait eu que 5. Bon, Isla Matanceros. Un bon endroit où commencer. C'est une île relativement stable. L'idéal pour se faire la main avant de plonger dans l'univers incroyable de ces créatures préhistoriques aussi géantes que dangereuses et affamées. Mieux vaut se préparer un peu avant, comme vous l'imaginez. Oui, bon. Je suis Cabot, chargé des relations publiques et de la gestion de crise. Je suis là pour vous aider. Vous allez commencer par construire un labo de la création Hammond. Et salut les gars. Nous avons déjà commencé à construire un enclos. Vous pouvez bien l'installer à côté, mais attention aux dinosaures. Je plaisante. Quoique... Ouais, bon... Et salut les gars, c'est Black Zakelion. Black Wolf, mais c'est Zakelion. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur. Enfin, que je refais parce que j'ai un peu de mal à le. Et cette fois, les gars. Je fais celle-là et après, hors vidéo, je continue jusqu'à ce que j'arrive à 100%. Ça veut dire jusqu'à ce que j'arrive dans l'île que j'ai pas réussi à faire. Là, on va se concentrer sur votre mission, à savoir créer des installations pour dinosaures sur les îles des 5 morts. Et ou plutôt, Las Cinco Muertes, puisque la langue locale, c'est l'espagnol. Et je vais aussi... Évidemment, il faudra le relier au réseau d'allées existant et l'alimenter en électricité. Et je vais vous... Et maintenant, place à la véritable épreuve, l'incubation d'un dinosaure. On va commencer par un Struthiomimus. Cliquez sur le labo, puis sélectionnez un emplacement d'œuf. Les données du génome devraient être suffisantes pour obtenir un dinosaure viable. Oui, bon, bah, en attendant... ça sera... Pour l'instant, je vous montre celui-là, parce que... Pour ma vidéo de retour. C'est une vidéo de retour. Et j'aurai fini de faire les îles des 5 morts. Là on dit pas mais là ça me trompe pas mais je vais vous j'achèterai les autres extensions, les autres packs, le sanctuaire de Claire, enfin tout ce qui est dans le DLC, tout ce qui est de DLC extension pack. Je les achèterai pour que vous ayez une petite aperçu. Pour qu'on a plus de dinosaures
que à la normale. Même le l'Indoraptor. Enfin, l'Indoraptor, pour l'instant, c'est l'Indominus, mais après, ce sera l'Indoraptor. Bon, bah, moi, j'ai déjà fait ça, alors. Alors, je vais créer. Je vais créer. Le Struximinus. Ouais, le Struphiominus. Les vaniteux se prennent pour Dieu, entendent changer le passé, défier les lois de la nature. Mais à part ça, tout va bien. Enfin, docteur, Wow. vous savez qu'on a beaucoup appris depuis C'est la ça va dernière vite, hein. fois, sans compter tout l'argent qu'on a investi. Précisément, monsieur Finch, la dernière fois. Il y a toujours une dernière fois, et aussi une prochaine. Donc ça, là c'est dit aide. La vie, la voilà qui commence. Quel grand moment! Le résultat d'innombrables actions et réactions, essais, erreurs, mutations génétiques et mystérieuses combinaisons. Un chaos absolu ayant mené à la création d'un être vivant et intelligent. Une entité unique. Et à présent, nous, enfin, vous les fabriquez. Les félicitations sont de rigueur, j'imagine. Ouais. Libre. Ah ouais, il y a le... Bon bah, c'est tout, hein. Oh, il faut... J'avais oublié l'enclos. La Fondation Hammond s'investit dans trois domaines clés. Le divertissement, la science et la sécurité. J'ai déjà prévenu les chefs des différentes divisions de votre arrivée. Ils vous feront des propositions intéressantes pour vous convaincre de rejoindre leur équipe. Un petit conseil. Acceptez un contrat. Ça vous aidera à développer votre parc. Ouais, mais j'ai entendu dire que mieux on que si le que si un que si un des deux Si on choisit un domaine qui est trop grand qui a la barre trop grande, et ben ça peut ça, et ben il peut saboter les... Alors ben on va déjà choisir par la sécurité avant tout. Lambert, chef de la sécurité. La vôtre, la leur et la mienne. Bienvenue dans l'archipel. Le casse-tête, c'est qu'on veut garder les dinos sous contrôle tout en encourageant leur comportement instinctif. Après tout, ces bestioles sont des armes potentielles. La crainte de tout le monde, moi y compris, c'est que les dinosaures finissent par gambader en toute liberté dans le parc. Mais pour avoir un impact au niveau mondial, il faut savoir prendre des risques. Les contrats proposés par les chefs des divisions sont accessibles depuis la salle de contrôle. Terminez-les pour augmenter votre réputation et gagner de l'argent afin de continuer à améliorer votre parc. Je vais d'abord. Je vais autre part, hein, parce que c'est pas du tout une bonne chose cet endroit. En fait, si, je vais mettre là, mais ouais, là. Et une dernière chose, votre réputation. Il va falloir la surveiller de près. Une bonne réputation auprès d'une division vous sera bénéfique, d'un point de vue financier, j'entends. Vous verrez, c'est un vrai numéro d'équilibriste.
Les divisions font tout pour attirer votre attention, et elles ont tendance à se vexer quand elles se sentent ignorées. Ouais. Se vexer. Oui, elles se vexent en sabotant des installations. Beau travail! Et je dis ça sans aucun sarcasme. Ou juste une petite pointe de rien du tout. En fait, ce que je veux dire, c'est que terminer des missions vous permet d'améliorer votre standing, ou votre réputation, si vous préférez, auprès de la division sécurité. Ce qui signifie qu'elle sera plus disposée à vous confier des missions complexes. Moi, je pourrais... Je suis Claire Dearing. Ce n'est pas mon premier séjour dans ces îles. J'ai commis quelques erreurs sur Isla Nublar et j'ai essayé de tirer quelque chose de positif de mon expérience. Je crois en notre projet, mais nous devons faire les choses dans les règles. L'écran de gestion de l'île... J'ai deux règles fondamentales. Gérer les animaux de façon responsable et créer un environnement sûr pour nos visiteurs. Oui, un environnement sans crainte. Non. Alors, l'écran de gestion de l'île offre une vue d'ensemble des principaux éléments de gestion de votre île, de mes îles. Consultez votre note de l'île. En fait, dans île, ils ont... Dans l'île, ils ont oublié de mettre un S parce qu'il y en a plusieurs. Votre réputation auprès des divisions ainsi... Désolé, j'ai eu un ballement. Ainsi que le récapitulation. Enfin bref, la réputation de votre comptabilité. Vous pouvez également suivre la progression de vos missions et de vos contrats actifs pour les îles actuelles. C'est Lambert. J'ai une nouvelle mission et je crois que vous avez ce qu'il faut pour vous en charger. Jetez-y un coup d'œil et dites-moi ce que vous en pensez. Ouais, ben moi, j'appelle ça un business. Oui, un business. Donc, je ne sais pas si on peut vraiment avoir des dinosaures. Des dinosaures. Qu'on sépare les mâles. Qu'on différencie les mâles des blancs, mais ce jeu-là, il est moi je trouve, moi je l'aime bien ce jeu, mais quand j'aurai les extensions, je ferai un vrai parc. De rêve. Mon parc de rêve. Alors, je vous laisse. Je vais continuer mon aventure et reprendre tout à zéro. Mais je mets pas celle-là dans la playlist. Oui, je garde toujours ma playlist. Alors, s'il y en a qui veulent, ils peuvent regarder. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et faites-moi un commentaire sur mon retour. Ciao les gars.